Exact. Les besoins de l'Empire dépassent notre rendement. L'amiral Versio exige qu'on... C'est parti! Allez, suis-moi. C'est pas plutôt à toi de me suivre. C'est toujours une mission de l'escouade Inferno. Et je suis toujours général. Certes, je te suis. On peut entrer maintenant. C'est vraiment chaud ici. Regarde cette vieille chaîne de montage. L'Empire s'en servait pour construire ses TBTT. C'est coincé. Impossible d'entrer. Si on allume la ligne d'assemblage, ça devrait nous permettre d'entrer. Là, rame dans ce cockpit. Tu peux te pousser? Ta cape me bloque la vue. Je sais. Tu n'as aucun sens de l'espace personnel. Mais j'ai un style incomparable. T'as vu ça? Ce complexe n'est pas abandonné. Il tourne à plein régime. D'accord. Donc on s'empare des armes et on arrête l'usine. C'est ce que t'as dit quand on est allé chercher Han Solo dans le palais de Jabba. On trouvera un moyen, comme d'habitude. Rien ne se passe jamais comme prévu quand t'es dans les parages. Là, c'est le terminal central. On peut s'en servir pour couper l'alimentation de l'usine. Mais il faudra d'abord passer ces Stormtroopers. Allez, toi et moi au cœur de l'action. Dis-moi que c'est pas. Ça ne me manque absolument pas. On est arrivé. On a de la chance. Ok. On accède au terminal central et on coupe l'alimentation. Quand j'ouvrirai le feu, tu sais quoi faire.
Ok. On accède au terminal central et on coupe l'alimentation. Quand j'ouvrirai le feu, tu sais quoi faire. J'avais dit une seule unité. Ok. On accède au terminal central et on coupe l'alimentation. Quand j'ouvrirai le feu, tu sais quoi faire. À volonté ! J'avais dit une seule unité. Facile, mon œil. Tu es sûr de ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûr. Intrusion détectée. Verrouillage de l'usine enclenché. Joli. J'ai juste cru que c'était un interrupteur. Ok, changeons de plan. Cet endroit marche à la lave, non? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Improviser pendant que tu nous trouves un moyen de transport. Quelque chose qui m'éloignera le plus possible de toi. De la partie la plus amusante.
capacité maximale et les pompes sont fonctionnelles. Contrôlez leur stabilité pour éviter tout débordement catastrophique. Ces pompes à lave pourraient nous être utiles. On occupe. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais autant que ça ne nous tue pas. Bien, voyons ce que fait cette chose. Problème réglé. Désactive. Avec de la lave. Et pour les armes, Iden veut les récupérer pour la République. Je m'excuserai plus tard. On peut pas laisser ces armes à l'Empire.
positionne bien ce marcheur, je devrais être en mesure de traverser. Positionne bien ce marcheur. Bien ce marcheur, je devrais être en mesure de traverser. C'est peut-être ce bouton. J'ai pas de temps à perdre. Dans le doute, on tire. Ouais, ça me suffit. Shriv, t'as trouvé un véhicule? Plan E, rejoins-moi à l'arrière, près de la chaîne de montage. Encore en train de prendre un gros risque. Shriv, si j'osais, je t'embrasserais. Hey, bouge, c'est moi qui conduis. On va bien s'amuser. Dirigez-vous vers la navette. Amenez-nous en hauteur. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle Eden. Dis-lui de venir nous chercher. Avec plaisir. Il faut qu'on y aille. Super. Combien d'armes? Zéro. Il semblerait qu'elles aient fondu. Mais alors, qu'est-ce qu'on transporte? Un Duros désespéré et un humain avec une cape ridicule. J'ai été très clair sur les paramètres de ce principe. Eden, est-ce que vous êtes là? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était? C'était le son de mon plan qui marche à la perfection. Le volcan va entrer en éruption, pas vrai? Non, ne me dis rien. Je veux avoir la surprise. Mange-toi un peu, Calrissian!
dirigez-vous vers la navette. Amenez-nous en hauteur. Qu'est-ce que je peux faire? Appelle Eden. Dis-lui de venir nous chercher. Avec plaisir. Eden, il faut qu'on y aille. Super. Combien d'armes? Zéro. Il semblerait qu'elles aient fondu. Mais alors, qu'est-ce qu'on transporte? Un Duros désespéré et un humain avec une cape ridicule. J'ai été très clair sur les paramètres de ce principe. Eden? Eden, est-ce que vous êtes là? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était? C'était le son de mon plan qui marche à la perfection. Le volcan va entrer en éruption, pas vrai? Non, ne me dis rien. Je veux avoir la surprise. Un peu, Calrissian. Si je meurs ici, je serai content que tu meurs aussi. Ça va, je te remercie. Tu vois? Je t'avais dit que c'est vrai. Détruire cette usine a eu plus d'impact que ce que l'on pensait. L'amiral Akbar appelle tous les vaisseaux de la République à se rendre sur Jakku. Toute la flotte impériale s'y trouve, excepté l'équipement qu'ils auraient dû recevoir de Sulust. Je suppose que mon père sera également de la partie. Mais sa capture n'est plus une priorité. Cette bataille pourrait mettre un terme à la guerre. Joignons-nous au combat, et aidons de notre mieux. Carabast. Je capte des signaux de détresse. Il y en a trop pour les compter. Del, le Corvus est à vous. Couvrez les airs. Shriv et moi, on va aider au sol. Attendez un instant. Eden. Reviens sain et sauve. Faites en sorte de préserver le vaisseau. Hé, hey, Shriv, j'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse. Oh, merci, Del. Ton amitié compte aussi énormément pour moi.
Eden, vous êtes en... Dell, nous approchons d'un signal de détresse. Connectez-moi. À vos ordres. Ici le capitaine Lindsay. On s'est écrasé et des marcheurs impériaux déciment les survivants. Il nous faut une évacuation et vite! Attention, vaisseau ennemi en approche. Chasseur TU en approche. Détruisons-les! TU détruit. Ici le commandant Eden Versio de l'escouade Inferno. Les secours arrivent, capitaine. Inferno! Les TBTT se dirigent vers le site de notre crash! Couvrez-nous, capitaine. On se pose à votre position. Merci, commandant. On a été abattus alors qu'on se rendait à la crête de carbone. On vous y conduira. Avant d'avoir détruit ces marcheurs. Alors il nous faut une frappe orbitale. Où sont vos macro jumelles? Quand on s'est replié ici, on a perdu les jumelles en chemin. Shriv et moi irons les chercher. Restez là et tirez pour nous couvrir. Trouvez! Shriv, connectez-moi à la flotte. D'accord. Squad Inferno au commandant de Starco. Demande de frappe orbitale. Ici le commandement de Starhawk. Inferno, frappe orbitale autorisée. Marquez votre cible et nous ferons feu. Escouade Inferno au commandant de Starhawk. Demande de frappe orbitale. Ici le commandement de Starhawk. Inferno, frappe orbitale autorisée. Marquez votre cible et nous ferons feu. Barrage orbital, ici. Ennemi lourdement armé. Barrage orbital réussi. Escouade Inferno au commandant de Starhawk. Demande de frappe orbitale. Ici le commandement de Starhawk. Inferno, frappe orbitale autorisée. Marquez votre cible et nous ferons feu. Barrage orbital, ici. D'autres impériaux arrivent. Les renforts ennemis sont là!
lourdement armés. Besoin de soin. Confirmé. Le TBTT est détruit. Attention. Starhawk. Merci, vous avez sauvé de nombreuses vies. Arnaud, on se replie vers la zone d'évacuation. Par ici! Dell, sortons le capitaine Lindsay d'ici. J'arrive pour vous récupérer, commandant. Avec plaisir, capitaine. Bonne chance là-bas. Shreve. Parlez une seconde de cette histoire de frappe. Bien sûr, qu'y a-t-il? Ce truc. Je crois que j'avais jamais rien vu aussi. On dirait presque que ça vous amuse. Jamais. Joli. Ok, ça c'est fait. Commandant,
Le destroyer stellaire abattu déploie des bombardiers en renfort vers un complexe de recherche impériale sur la crête de carbone. Ce complexe est une cible cruciale pour la République. Eden, on pourrait détruire les bombardiers à l'intérieur du hangar. Excellente idée. Posez-nous quelque part. Je sais que c'était mon idée. Comment est-ce qu'on va condamner ce hangar ? On entre et on fouille l'épave pour trouver des détonateurs télécommandés. Ils ne savent pas que nous sommes là. Bien. Restez là. Attendez que j'ouvre le feu. Nos bombardiers de la République à distance. Rassemblez tout le matériel possible. Nous devons être prêts à partir pour la navette d'évacuation en retard. Je procède à l'inventaire de ces armes. Ah, voilà qui est mieux. Merci beaucoup. C'était les derniers. La voie est dégagée jusqu'au hangar. Les détonateurs, là. Il va en falloir plus que ça. Essayez d'en trouver d'autres. Il nous faut juste ces détonateurs. Des détonateurs. Encore des explosifs ! Il est temps de fermer définitivement ce hangar. Génial ! Chasseurs des lieux ! Trouvez des armes lourdes ! Vite ! Ennemis lourdement armés ! Attention aux snipes ! Paris qu'ils n'ont rien vu venir. Bon, où est-ce qu'on place ces charges ? Directement sur les TIE. Une explosion de cette ampleur va avoir des répercussions jusqu'au système du moteur ionique. Et détruire le vaisseau depuis l'intérieur. Précisément. Détonateur placé.
détonateur armé. Ok, compris. Tirons-nous de là, et vite. Ça doit être leur équipe de sauvetage. Ils arrivent de partout! Alors tirez partout! Soldats lourdement armés! Vite, au vaisseau! Passez devant! Dégagez-nous la voie! Filmez comme ça, on y est prêts! Merci. Charge de revanche. J'espère qu'on a posé assez de détonateurs. On dirait que oui. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle le bonheur? Shriv, rejoignez le Corvus. Del, voyez où nous pouvons être utiles. Bon travail là-bas. Le capitaine Lindsay et ses hommes s'emparent actuellement de la crête de carbone. Je serais jamais arrivé sans vous. Et moi? Comment ça se passe, là-haut? Je ne sais pas, mais... je crois que l'Empire est en train de perdre. J'ai la même impression. C'est presque terminé. Aujourd'hui, c'est la fin de l'Empire. Mieux vaut tard que jamais. Commandant, on a un problème. C'était quoi, ça? Votre père. Il nous a trouvés.